Comment éviter de tout perdre quand on investit dans les crypto-monnaies pour, à la place, avoir un plan d'action concret, étape par étape, pour maximiser vos gains au maximum Parce que le souci, c'est que beaucoup de novices investissent dans les crypto-monnaies. Leur capital peut-être a pris énormément de valeur, donc ils sont euphoriques, ils se pensent riches et millionnaires dans les jours à venir. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le marché du bitcoin et des cryptos va cracher. Et quand il crache, c'est pas de 3%, c'est quelques dizaines de pourcents en l'espace de quelques jours. Donc à ce moment-là, le débutant, qu'est-ce qu'il va avoir Eh bien, il va avoir une émotion importante et il va voir non seulement ses gains diminuer, voire même se réduire à zéro, et son capital chuter, voire même tomber très très bas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire le débutant Il sera totalement effrayé. Il aura des émotions qui vont se manifester. Et du coup, il va se dire à ce moment-là « Je vends, je vends pour préserver le reste de me, mon capital que je possède, pour éviter que ma femme me tape dessus et ma femme me dise :« Je te l'avais dit, fallait pas investir dans ce truc trop volatile. » Et encore une fois, elle aurait eu raison. Du coup, à ce moment-là, le novice va vendre une partie ou la totalité de son capital, comme ça il se dit "Oh, c'est bon, je suis protégé, je me sens mieux." Puis par la suite, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, le marché va reprendre de la valeur et le novice, il va se dire "Oh non, j'aurais dû garder." Et du coup, il veut pas louper le train. Il voit les, les crypto-monnaies s'envoler, le bitcoin s'envoler, les autres crypto-monnaies s'envoler. Donc il se dit bon, bah, je vais réinvestir. Il réinvestit. Et au final, à ce moment-là, le marché chute encore énormément. Du coup, le peu de capital qui lui restait perd encore toute sa valeur. À force des montées et des baisses, le débutant va perdre au fil des trimestres et des années la totalité de son capital, alors que le marché des crypto-monnaies est haussier sur le long terme. Et ça, c'est problématique. Et encore plus problématique, si vous perdez 50% sur votre portefeuille, eh bien, il va falloir doubler. Il va falloir faire une performance de 100% pour récupérer le capital de départ. Donc plus on perd, plus ça sera beaucoup plus compliqué de récupérer cette perte. Donc, dans un instant, rassurez-vous, je vais vous expliquer comment éviter tout ça, comment protéger votre capital au maximum et comment optimiser vos gains. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez comprendre qu'il est totalement impossible de savoir le cours du bitcoin et des crypto-monnaies dans le futur. Demain, toutes les banques centrales du monde entier peuvent investir des centaines de milliards dans le bitcoin, ce qui le fera monter de manière incroyable ou, à contrario, demain, il peut avoir une attaque 51, par exemple, sur le bitcoin, ce qui ferait chuter son prix de 80% en trois jours. Et, en fait, on doit bien comprendre que tout est possible. Le bitcoin fait totalement ce qu'il veut. Parti de ce constat-là, nous avons une chance sur deux. Soit, dans les 12 mois à venir, par exemple, le bitcoin va prendre de la valeur. Soit, dans les 12 mois à venir, le bitcoin va perdre de la valeur. Donc dans tous les cas, on a 50% de chances de gagner ou de perdre. Mais il faut bien comprendre que d'après une étude AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, 89% des personnes qui investissent dans les marchés financiers perdent leur argent. Pourquoi 89% perdent leur argent alors qu'on a une chance sur deux C'est parce que l'investissement, c'est contre-intuitif. Il faut faire l'inverse de ce que fait le marché. Donc les débutants font quoi Ils vendent quand ça chute et ils achètent quand ça monte. Mais il faut faire l'inverse. Et comme les gens justement font ça, ce qui est la mauvaise chose à faire, eh bien la plupart des gens, presque 100% des gens, perdent leur capital. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner le plan d'action concret, étape par étape, à mettre en place, très simple en plus à mettre en place, pour optimiser vos gains et protéger votre capital au maximum. Mais avant ça, si vous souhaitez mes stratégies d'investisseur qui me permet d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, qui est un parfait complément à cette vidéo d'ailleurs, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai cette vidéo formation à raison de une vidéo par jour pendant 5 jours totalement gratuitement par email. Donc inscrivez-vous j'ai une question à vous poser. Si aujourd'hui je vous propose un dilemme, laquelle option choisissez-vous Est-ce que vous choisissez l'option A, c'est-à-dire que je vous donne 3 millions d'euros maintenant Ou est-ce que vous choisissez l'option B, c'est-à-dire que bah, je vous donne un placement qui vous permet de mettre 1 centime dessus mais ce seul centime unique sera multiplié par 2 pendant 30 jours. Eh bien, nous allons faire les calculs tout de suite. Donc, je vais multiplier 1 centime par 2 pendant 30 jours. Le deuxième jour, j'aurai 2 centimes. Donc là, j'ai multiplié une fois. Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois.

Et c'est ce que Warren Buffett a utilisé dans ses investissements. Vous pouvez voir qu'au début, il a investi très peu d'argent. Il n'a investi que 5 000 dollars de sa poche. Ces 5 000 se sont transformés en 6 000, puis 10 000, 20 000, 2 milliards, 3 milliards, 36 milliards, 58 milliards. Et c'est ça l'effet boule de neige. Mais vous allez me dire, non mais Jonathan, tu marches sur la tête. Il est totalement impossible de multiplier son capital par deux chaque jour. Bah ça, je suis totalement d'accord avec vous, c'est totalement impossible. C'était tout simplement pour vous montrer la puissance de manière exagérée des effets cumulés. Par contre, il est possible, je dis bien possible, même si ce n'est pas garanti, c'est possible, c'est une possibilité, pas une garantie. Il est possible que le Bitcoin se multiplie par deux, en moyenne, chaque année. Sur le long terme, ça ne veut pas dire que tous les ans il va multiplier son prix par deux. Non, c'est une moyenne. Ces 12 derniers mois, par exemple, le Bitcoin a multiplié son cours par 4. Donc parfois ça peut être beaucoup plus, mais parfois ça peut être beaucoup moins. Mais on va se baser par une multiplication de notre portefeuille en crypto-monnaie par deux chaque année en moyenne sur le long terme. Alors, on va dire qu'on a 1000 euros à investir dans les crypto-monnaies et que ce capital se multiplie en moyenne par deux chaque année. Donc la première année, voilà, on le multiplie par deux. Deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année, huitième année, neuvième année, dixième année. Donc c'est-à-dire que si on investit 1000 euros et qu'on arrive à les multiplier par deux chaque année, ces tout petits 1000 euros sans même réinvestir un centime deviennent un million. Au bout de dix ans. Mais il faut réussir à multiplier son capital chaque année et ça pendant dix ans. Ce qui est relativement très compliqué, mais je vais vous donner dans un instant un plan d'action qui vous aidera à atteindre cet objectif. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Darren Hardy qui a pour nom Effet cumulé et dont j'ai ressorti pour vous trois principes importants pour pouvoir Bénéficier de cet effet cumulé dans les règles de l'art. Le premier principe, c'est que vous devez faire des choix. Donc, dans un premier temps, vous devez avoir un plan d'action très clair pour les dix prochaines années et vous devez définir un objectif très clair à atteindre à la fin de ces dix prochaines années. Par exemple, c'est de multiplier son capital par deux chaque année pendant dix ans. Le plan d'action, je vais vous le donner dans un instant. Le deuxième principe, c'est avoir de la discipline. Parce que si vous faites un tout petit changement de manière régulière et de manière durable, eh bien ceci permet d'avoir un changement radical. Donc il faut savoir être patient. Le souci, c'est que la plupart des gens ne sont pas patients. Les gens veulent un plaisir court terme au lieu d'avoir une vision long terme. Mais la vision long terme, c'est beaucoup plus rentable selon moi que la vision court termiste. Voilà pourquoi je suis un investisseur long terme et pas du tout un trader. J'essaye de gagner beaucoup, beaucoup à long terme, mais la valeur court terme de mon portefeuille m'importe peu. Et le troisième et dernier principe, c'est d'avoir des habitudes. Il nous partage dans son livre que le succès, c'est des actions positives répétées de manière régulière. Donc toutes les actions que vous notez dans votre plan d'action et que vous répétez de manière régulière et sur le long terme, ça vous permettra de créer des habitudes positives qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Alors attention, il y a des personnes qui vont essayer de vous détourner de vos objectifs et de votre plan d'action. Ça, c'est ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, dans les vidéos YouTube, sur Twitter, sur Insta, votre famille, etc. Ces personnes vont essayer de vous détourner de votre plan d'action. Donc vous devez absolument vous entourer des meilleurs pour avoir une meilleure influence. Ou en tout cas être entouré de personnes qui vous influencent peu. Ou pas donc c'est parti pour la création de votre plan d'action sur mesure avant ça vous allez devoir créer un objectif c'est à dire combien vous souhaitez gagner dans x années 10 000 euros 100 000 euros un million d'euros plusieurs millions d'euros je ne sais pas et dans combien de temps et ensuite qu'est ce que vous allez faire de cet argent parce que si vous avez x millions d'euros sur votre compte bah ça sert à rien il faut savoir qu'est ce que vous allez faire de cet argent pourquoi vous souhaitez gagner cet argent et qui vont bénéficier de cet argent avec vous. Parce que c'est ça ce qui va vous permettre d'avoir un objectif clair et précis, et qui vous motivera vraiment à l'atteindre. Un scénario baissier pour les 12 mois à venir, ou un scénario haussier pour les 12 mois à venir, que vous allez pouvoir adapter durant... Donc commençons par le plan d'action, en partant du principe que les 12 mois à venir seront haussiers pour le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui nous indiquerait que le marché est haussier de manière très simple quand on est novice. Eh bien c'est tout simplement que votre portefeuille prendra de la valeur. Si vous avez investi et que votre portefeuille prend de la valeur, on va en conclure pour faire très simple que nous sommes dans un marché haussier. Dans ce cas-là, ce que je propose, c'est de vendre 15% de votre portefeuille à partir du moment où celui-ci a doublé. Vous avez un lien sous cette vidéo pour accéder à ce tableau gratuit pour vous permettre de noter noir sur blanc vos futurs objectifs. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir noter les crypto-monnaies que vous avez achetées, leur prix d'achat et les prochaines ventes que vous avez prévues dans le futur et les prochaines ventes que vous allez réellement réaliser. Parce que, en se notant des objectifs maintenant, eh c'est beaucoup plus simple de savoir quoi faire quand la crypto-monnaie aura pris. Cette valeur. Donc par exemple, on va dire que vous avez acheté du Bitcoin à 10 000 dollars et vous remarquez que votre portefeuille prend de la valeur. Vos 10 000 dollars se transforment en 12 000, 15 000, puis 20 000. Et vous avez mis un tech profit à 20 000 et vous avez prévu, vente prévu, de vendre 15 à ce moment-là. Quand le Bitcoin sera à 40 000, vous vendez 15 Ça, c'est ce que vous avez prévu, c'est vos objectifs. Et quand le Bitcoin sera à 80 000, vous vendez 15%. Comme ça, vous commencez à encaisser des gains. Parce que, comme je vous l'ai dit, si le marché se retourne d'un coup, eh bien, ce n'est pas si grave que ça, puisque vous avez commencé à encaisser des gains pour atteindre votre objectif de au moins multiplier par deux votre capital chaque année. Moi, par exemple, on n'est même pas à la moitié de l'année, et j'ai déjà réussi à multiplier mon capital par 10, mais j'ai déjà vendu une partie en stablecoin pour que je sois sûr cette année et c'est déjà bouclé de multiplier mon capital par deux donc ça c'est les ventes prévues ici en bleu et les ventes ici en rouge et eh bien c'est les ventes que vous allez réellement encaisser donc ça c'était le plan d'action si mon portefeuille prend de la valeur et si on estime que le marché est haussier par contre si le portefeuille de la valeur, donc c'est à dire il faut attendre au moins 30 jours, et bien là dans ce cas là on met plutôt en place le plan d'action à la baisse, puisque vous l'avez compris, il y a deux plans d'action soit un plan d'action quand euh, notre portefeuille prend de la valeur, soit un plan d'action quand notre portefeuille perd de la valeur. Donc s'il perd de la valeur, mais pas à court terme, hein, c'est pas en un jour, c'est euh, au bout d'un mois ou plus, et bien dans ce cas là on met en action le plan d'action à la baisse. si votre portefeuille perd un peu de valeur, bah, c'est pas grave, puisque de toute façon vous êtes conscient que vous pouvez perdre toute ou partie de votre capital. Par contre, il va falloir limiter la perte et semer vos graines pour le potentiel futur marché haussier. Ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là, c'est une proposition. Après, c'est à vous de faire vos propres choix. Vous pouvez par exemple acheter. 50, 100, 500 euros par mois ou plus ou moins en fonction de votre situation et de votre profil de crypto-monnaie tous les mois à la fin de chaque mois, par exemple, durant 12 mois, car vous êtes convaincu qu'à la fin de ce marché baissier, eh bien, il y ait un marché haussier parce que vous avez compris que et vous pensez surtout que sur le long terme, de toute façon, le marché des crypto-monnaies prend de la valeur. Donc, si par contre. Vous devez être conscient que durant cette année, votre capital investi et vos gains potentiels vont chuter. Donc vous devez accepter le fait que durant cette année, vous n'allez sûrement pas multiplier votre capital par 2. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est en moyenne. Durant les marchés haussiers, vous allez peut-être multiplier votre capital par 2, 3, 4 ou plus. Par contre, dans les marchés baissiers, vous allez peut-être diviser votre capital par 2, par 3 ou plus. Quand ça chute, j'achète par palier et quand ça monte je vends par palier c'est un résumé parfait de cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker pour ne plus louper mes vidéos abonnez-vous à la chaîne youtube et je vous rappelle si vous souhaitez aller plus loin en complément parfait de cette vidéo vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permet d'investir de manière simple et en automatique dans les cryptomonnaies j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo cliquez sur le lien sous cette vidéo inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci gratuitement par email. A très bientôt. Ciao